Ce soir, le ciel me regarde dans le noir des yeux. Il me dit que demain, tout ira mieux. Le sous-sol, le tout nouvel album EP de Gauvreau, est désormais disponible. On y retrouve 5 nouvelles chansons à saveur indie rock, dont le tout premier extrait qui a été envoyé dans les radios, Ciel ébène. C'est directement inspiré du Ciel du Suroi. Un soir, en arrivant chez nous à Le Coteau, les étoiles brillaient beaucoup, puis ça me parlait. Fait que là, l'idée du texte m'est venue ce soir-là. J'ai quand même assez rapidement composé la mélodie, tout ça. Puis quelques jours plus tard, Martin est venu prendre une coupe de bière chez nous, puis le soir, sur le bord d'un feu, on a continué à regarder les étoiles, on a fini d'écrire la chanson. Puis ouais, c'est intéressant, c'est « Ciel ébène ». C'est ce qu'on a sorti en extrait qui est sur les radios. Puis ouais, ça marche, la chanson marche super bien. Viens danser sur la mélodie du vent au gré de la folie du moment. Gauvreau réside dans la région depuis l'âge de 15 ans. Moi, j'aime vraiment le coin, tu sais, je suis bien ici, puis j'aime ça aller à Montréal, tout ça, puis jouer là-bas, j'ai beaucoup d'amis. Mais tu sais, on est bien ici, c'est tranquille. Je pense que ça se ressent aussi sur l'album, dans ce que je fais. Mais je l'ai intitulé le sous-sol parce qu'il s'est fait majoritairement dans mon sous-sol à Le Coteau. Dans un décor de préfini, sous un beau plafond en stucco. Pour réaliser son album Le Sous-sol, il s'est entouré de gens talentueux. J'ai beaucoup de monde qui ont travaillé avec moi. Au niveau du mix, ça a été mixé par Ghislain-Luc Lavigne, qui est vraiment quelqu'un qui est extrêmement en demande au Québec. Il a accepté de travailler avec moi là-dessus, donc on a été chercher vraiment une sonorité organique à l'ancienne un peu. Ça a été mixé de façon analogue. J'ai travaillé avec beaucoup de bonnes personnes là, qui m'ont fait du bon son. On va dire ça comme ça, c'est un album qui sonne. Les yeux fermés, on se casse la voix. Il aimerait d'ici peu pouvoir se produire dans la région avec son nouveau matériel. Il se concentre aussi sur l'écriture de nouvelles chansons. J'essaie de trouver des idées dans mon quotidien tout le temps. Je sais pas, moi, je regarde dans la rue, je vois quelque chose d'intéressant, je prends une note dans mon iPhone, soit un bout de texte, une phrase que je trouve qui punch, ou souvent, moi, j'ai des guitares qui traînent partout à la maison, une guitare mandoline, tout ça, fait que aussitôt que j'ai 5-6 minutes, je pogne ma guitare, je gratte, aussitôt j'ai un riff intéressant, je l'enregistre. Fait que je dois en avoir à peu près 200 dans mon iPhone, puis des bonnes affaires, là, que j'ai le goût de pousser. Fait que qu'est-ce qui s'en vient, là, j'ai vraiment hâte de faire de l'écriture, puis j'ai des nouveaux collaborateurs aussi là, qui vont s'intégrer au niveau de l'écriture, des textes, et tout ça. Au gré de la folie du moment, couvert de poussière d'étoiles filantes, sous nos pieds, la tâche. Ayez la curiosité musicale de découvrir ce qu'on a fait, notre univers, puis vous serez pas déçus. Merci.